On va découvrir Serial Cleaners, les gens, qui sort demain, du coup, sur toutes les plateformes, au moment où je fais ce stream. Donc, sur toutes les plateformes, vraiment, hein, sur les consoles et tout. Et qui est donc un jeu dans lequel vous allez devoir faire de l'infiltration, action-infiltration, en vue de dessus. On a une petite vidéo au lancement là, c'est fait par Draw Distance, qui avait fait un premier jeu qui s'appelle Serial Cleaners, et qui a aussi fait des jeux dans l'univers de Vampire Mascarade. Voilà. Et donc il sort demain, et vous incarnez un nettoyeur de scènes de crime, de la mafia dans le New York des années 90. Alternez entre 4 nettoyeurs, chacun avec son style unique, et vivez leur histoire. Voilà, il va y avoir du hack, il va y avoir de l'escalade, tout ça. Le but étant de, du coup, bah, nettoyer la scène de crime, éviter d'avoir des grosses flaques de sang et 300 cadavres. On va tester ça, moi je suis sur la version PC du coup. On va se faire une petite découverte. Je vais m'enlever, tiens, pour le trailer. Hop. Vu que ça vous présente les persos. Hop là. Alors niveau volume, tout ça, on va ajuster s'il faut. En cours de route, j'ai mis en français normalement. Tout à fait, s'il y a une histoire de sous-titres peut-être. Au cas où, hein, en termes d'accessibilité, c'est toujours mieux. Je vérifie juste ça. Là, c'est les contrôles. Donc je pense qu'on est bon. La base des indicateurs, là. Hein. Données du monde réel. Ouais, il y a juste ça. Vous savez ça, la police de caractère adaptée aux dyslexies, en fait, ça écarte les... Ah, bah, vous voyez pas, parce que je suis sûre. Ça écarte les caractères, en fait. J'avais déjà remarqué. J'ai vu ça sur un jeu récemment. Je vous montre juste ce qu'il y a, du coup, dans les options. Vous avez... je pense possibilité de l'enlever, le sang, du coup. Mais il y a écrit qualité du sang, en tout cas. Voilà, bon, on est parti. On est parti. Je m'enlève pour l'instant, on va voir s'il y a un cinématique ou pas, en tout cas. Let's go, let's go! J'ai bien fait de m'enlever. Ah ouais, c'est bon. J'attendais une suite. Du coup, ils travaillent, ils se cachent. Leur planque, c'est un endroit où on s'occupe des morts. Voilà. Comment on appelle ça? Une morgue? Non, c'est pas une morgue. C'est le truc d'après. Déplace la caméra en utilisant une touche directionnelle. Très bien. Ça marche. Ah, cette touche. Ok. All done on my end. You? Has the fridge been taken care of? I think so. Ah, brilliant. But my main concern is meatballs. All of them in the freezer? La maison funéraire. Non? Ouais, les pompes funèbres. Maison funéraire, je crois que ça marche. Je pense que ça va être le tuto. Lui refaire le portrait. Ah, on en est là, direct, quoi. Alors, écoute, on va rester... It's okay. Put the Goomba in the basement. I'll figure something out later. Okie doke, Bob. There goes the idea of starting the new millennium with a clean slate. But, I appreciate the porch work. I really do. Gotta be the most festive looking mortuary. Bah, ils ont dit morgue, vous voyez. Non, c'est embêté avec le chat là. Ils ont dit morgue finalement. Qui leur sert de cachette du coup. Est-ce que je monte un peu le volume? Oh, vous avez vu quand je fais ça? Waouh! Je voulais le tap, vous avez vu l'effet? C'est violent. Je vais remonter un peu le volume. Parce que le volume sur le menu était un peu fort, mais finalement là. Oh, vous entendez? Ça fait un bruit comme si c'était en.
En sous-sol, un peu. C'est grave bien. Let's go. Maintenez Alt pour activer le sens du nettoyeur, ce que j'ai fait juste avant. Vous voyez le monde qui vous entoure à travers les yeux d'un nettoyeur, et les objets importants sont surlignés. Filtrez les types d'objets, changez d'étage avec le pavé numérique. Déplacez la caméra avec les touches directionnelles. Par défaut, sous-entendu qu'on peut... Du coup là je peux... Ok... Non mais les touches comme ça c'est très bien. Là on voit qu'il y a des portes, gna gna gna, changez d'étage... Comme ça. C'est quoi le truc là? Vous voyez le truc bleu en haut? Ok. Très bien. Main des chiffres pour sprinter. Quoi, ça fait beaucoup de bruit, mais cela peut également vous permettre de transporter des corps plus rapidement. Ou même de renverser les ennemis. Ne vous étonnez pas s'ils pointent leurs armes sur vous après cela. Nous ne nous étonnons pas. Et ça, on en a un temps illimité. Comment on va à l'autre étage? C'était en bas à l'autre étage. Ok, je vais aller au truc bleu. Ça doit être mon objectif. Vous avez vu qu'il y a un temps pour courir. Après, il est un peu flagada. Was he mad? What did he say? Nothing more than mulling over him. What did I tell you? Appuyez sur le contrôle pour vous accroupir. Vous pouvez vous déplacer sans faire de bruit et vous cacher derrière des petits obstacles. Vas-y, prends-le. Ah bah non, rouvre. Oh, ça l'a poussé. Ça l'a poussé. Viens là. Est-ce qu'il y a un autre endroit pour passer? Serrure à clé. Ah, il faut le poser. Ok. Allez chercher la serrure, puis revenir. C'est noté. Exactement, madame. Maintenez F pour débrouiller ou verrouiller une porte. Si vous ouvrez une porte à la tête d'un ennemi, j'imagine. Cela l'assommera. Certaines portes sont fermées à clé ou verrouillées par des cartes magnétiques. Certaines peuvent être verrouillées avec un loquet. F. Pour maintenir. Paf! Bien joué. Il y a rien ici. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Il y a là aussi. Bon, essayons de ramener le cadavre. Si je vais là, je peux pas le récupérer. Ah, il veut pas, hein. Vas-y, prends-le. Ah. Et est-ce que je peux ouvrir la porte? Genre en faisant ça. Ça a pas l'air. Par contre, j'ai pu aller là, c'est pas pour rien. Attends, autre chose. On peut passer là. Je me disais bien, au début c'était mon plan, hein. Mais sur le coup j'étais pas sûre, je voyais pas le trou dans le mur. J'ai eu un doute. Heureusement que c'est le tuto. Ah, fucking hell, dude! I just cleaned here! Yeah. Couldn't be helped. Bob told me to. Il y a ma clé en haut. He told you to walk in here in those dirty ass shoes? Jesus Christ! Oh, fuck. Sorry, that
That was a bad move, yeah. I'm sorry, Lottie. Sorry to break it to you, pal, but the mess you always make down here, it doesn't magically clean itself up. Jesus, Marion. Just get the hell out of here, Hal. Do something useful and get the oven heated. Oh, okie doke, Lottie. And take those damn shoes off first. C'est une victime, l'autre, là. Mande l'espace pour nettoyer le sang. Le bruit de l'aspirateur attire l'attention des ennemis. Oh là, mais il y a du sang partout. Pétez derrière, on aspire. C'est bon? Je sais pas si on reste quelque part. J'imagine trop elle se m'a aspiré alors que le gars vient de passer. Je vais vérifier s'il y en a à l'étage. Oh, il en a foutu partout. Yop, même truc. Gardez un œil sur le symbole de ligne présent sur la barre de sang pour voir la quantité de sang qui vous reste à nettoyer. N'oubliez pas que certaines actions effectuées par le nettoyeur peuvent faire couler davantage de sang. Ah bah voilà. Regardez toute cette boue qu'il nous a mis. Non mais je vous jure. Effectivement, j'ai oublié comment il s'appelle. Il l'a dit tout à l'heure, mais... Léon. Je nettoie tout quand même. Je sais que j'ai fini la barre, mais... Il faut que ce soit propre. Regardez-moi ça. Yo, homegirl, what's keeping you? The usual. The big boy walked in and made a big mess again. That's why we love him and pay dearly for him. Need some help? It's mud, not the red stuff. Just don't spread it further is all I ask for. Besides, I'll be there in a sec. Better put some music on before the guys do. It's the most boring. Majorly boring. What now? Start working, you goddamn piece of. C'était flippant. You're kicking even Aaron's ass now. What hope do the rest of us have? Ooh, tell her to put on something thematically relevant. Whatever this noise is, it's a major drag. F off. I happen to like this band. They embody the sound of the decade. Like dial-up modem noises mixed with ice skating on a chalkboard. Nah, leave it. At least it's not so and You want to talk about Mitch Milton now? Ha, five beers too early, kids. You wanted to reminisce tonight. Let's reminisce from the start. Mitch Milton. Touchy subject, kid. Mitch is still warm, and so are my memories of the fucker. Come on, man. Yo, Bob, you know that brains stay active for hours after death. Really? Well, my horribly offline friends, hearing is said to be the last thing to go. So, Mitch Milton might still appreciate a good word or two, you know? Yeah, that's just a fat lie meant to play on my good old Catholic guilt, isn't it? Scientific speculation. That's all. Take it or leave it. TTYL. Attends, mais je dois juste vérifier un truc. On peut reprendre. Yo, Mitch. The kids want to listen about the good old times. So? 1990. A crooked lawyer's call, a Syria cleaner parting a Red Sea like Moses. Vamos! Ah, et du coup, l'histoire dont il a parlé, on va la vivre. Nettoyeur de retour avec son premier contrat à New York, mais la grosse pomme n'a rien de Los Angeles. Tout semble étrange, même les crimes. Le dealer de crack qui était à la tête de ce paradis narcotique a été volé et tué par un gamin du coup. Le crack doit s'écouler, donc ce petit incident ne doit pas se faire savoir. Ouais, une petite ambiance, hein!
Ah, je m'enlève, attends. Faut savoir qu'ils doivent être très fans de New York ou vivre à New York parce que les jeux qu'ils ont fait sur Vampire Mascarade sont à New York. Votre objectif principal est de vous débarrasser des corps, des preuves et du sang. Allons-y. Tant qu'il n'y a pas de flics, des trucs comme ça, c'est bonne ambiance quoi. Est-ce que j'aime le fait d'avoir marché dans le sang, ça a l'air d'aller. Mandez F pour emballer un corps dans une housse mortuaire. Salut Jupine. Il ne sera pas de traces de sang quand vous le traînerez. N'attirez pas l'attention si vous le transportez dans les lieux publics. On emballe. Hop là. Alors, vision spéciale. Hop. Qu'est-ce qu'on a ? Je vais le poser pour l'instant. J'ai pas de timing, hein. On est d'accord. Bon, il est emballé. Je vais appuyer sur autre chose. Boubé. Il y a des flics. Mais c'est foutu! À l'aide! Oh là là! Je suis cachée! Non mais à l'aide! Après, ils ont l'air posés là. Ils ont l'air posés. Il y a la poubelle juste là, là vous l'avez vu, en bas? Bien gars. Oh, je vais surcharger, je vais le défoncer. Vous êtes prêts? Je le sens pas. Attends, j'ouvre, il vient. Vas-y. J'ai pas osé. Je vais mettre juste un peu moins fort la musique. Voilà, ça fait beaucoup moins fort ça. C'était peut-être le volume ambiant. Ok. Allez, viens! Ah, il se demande pourquoi la porte est ouverte. J'aime bien. Bah, ça veut plus surgir. Lorsque vous portez une preuve imposante, maintenez espace pour viser, appuyez sur eux pour la hausser. Ça vous permettra de détourner l'attention des policiers ou même de les faire tomber. Mais est-ce qu'on peut les tuer? Porte pour là, on peut pas. Alors c'est pas clair, hein. Par contre, j'ai l'impression qu'en les emmenant là, je suis bien. Ah, je pensais pouvoir le taper. À l'aide. C'est pour le taper. Oh. Ah. Oh, quelle vie.
passe, on a dit. Je vais lui balancer dans la tronche, vous êtes pas prêts. Je le sens pas. Non, mais faut qu'on s'en débarrasse, hein. Ça a pas l'air très... Tiens. Ok. Bon, en fait, ça les bute pas. Sachez-le, hein. Ah, et là, on peut... Ok. Moi, je voulais juste les buter. Bon, là, on a vu, en tout cas, qu'on a le temps d'aller... Large, d'aller là. Pas mal, pas mal, pas mal. Il va voir tous les corps disparaître. Pas gentil de les tuer. Oui, mais ça m'aura arrangé quand même. Il y a 3 corps en plus. Mais il fait quoi là? On va attendre qu'il reparte tranquillement. Je vais traîner le corps jusque là. Alors, est-ce que cacher les trucs suffit? Ça se trouve, hein. Il faut que j'essaye. Il faut absolument que j'essaye. Ne suffit pas. Allez. J'arrive pas. Oh, il est relou, il va revenir là. Oh non. Là, je pense que le flic, je peux l'enfermer. En vrai. Dans l'autre pièce, ça peut être pas mal. Vu que j'ai la clé qui permet de verrouiller. Il s'en pose des questions. Hein. Allez. Je vais essayer de l'enfermer, ce serait bien, non? Enfin, quand il sera décidé, quoi, mais... J'éteins la lumière. Attends, j'ai une idée. Vas-y, rentre.
Il rentre pas à l'intérieur. Mais j'aimerais tellement l'enfermer. Ce serait fou. Maintenant, les chiffres vont glisser très vite le long des taches de sang. Alors, après. Je vais d'abord m'occuper de... On va faire ça net et sans bavure, sans bavure. Tranquille. Parce qu'en vrai, il me saoule pas là, l'autre. Il rentre pas, si il rentre. Hop là, c'est ciao. Je l'ai enfermé. Mais est-ce qu'il peut appeler l'autre? Je crois pas. Hein. Ah mais il peut me voir là. Dans le doute, j'ai pas envie qu'il me voit en fait. Quand je pense qu'après je vais passer l'aspi. Ah, peut-être qu'on pourra pas aspirer. Le sang il était déjà là de base, justement. Il va sortir, il va dire j'ai rêvé. J'étais sur une scène de crime, elle n'existe plus. Pas mal, on est pas mal là. Hein. C'est marrant hein, comme concept. Parce que sur le coup, j'étais pas bien. Hein. Je peux lui éteindre la lumière en plus. Alors, je pense que j'ai fermé cette porte. Alors l'aspirateur. J'en ai pas. Comment l'aspirateur? Espace. Ah oui. Gardien de la paix avant tout. Exactement. Ah, je suis contente, on va peut-être avoir réussi. Il entend, mais il peut pas sortir, je l'ai enfermé. Putain, l'enfermer, c'était tellement le good move en vrai. C'était ce qu'il fallait faire, de toute façon, sinon tu peux pas aspirer. Pourquoi ça saute ça? Oui, ça saute. Trop bien. Après, éteindre la lumière a l'air d'être un truc aussi qui peut être pas mal. Mais alors, attendez, parce qu'il y a le sang dehors. Alors, ça. Faudrait l'assommer avec la glissade. Pour le sang dehors. Je vois que ça. Ah, ils font exprès en plus qu'il reste un petit peu. C'est le poisson qui saute. Ah oui, c'est ça! Exactement, Poulpe.
que on peut pas quand même l'étrangler juste comme ça? Bon, je vais essayer de l'assommer. Je promets rien. Ah. Oh, mais ça va, il est sourd. Midi-dit. Putain, je n'étais encore un peu. Ah, c'est terrible, hein. Il y a Monique qui s'est cassé la jambe dans le couloir tout à l'heure. Je vous en parle même pas. Bon, il restera un petit peu de sang, quoi. C'est good. On a gagné. Trop bien. Eh, c'était bien. Parce qu'au début, c'est flippant. C'est pas mal du tout. Finaise. Ça me plaît bien. All right, children. Enough applause. And one more toast for Mitch. Et le style visuel est cool. It's been 10 years since I got back to work full-time. And I still can't believe that three walking dead men became my friends. Dead men, often better friends, can't stab you in the back. Mm-hmm. Want to tell us about your baggage now or later, big man? Come on now. We're all a civilized bunch. Participation is, of course, voluntary. Although, I'd urge you to rise to the occasion. Anyone. Je crois que ça... Ok. Vous savez ce que j'avais lu? J'avais pas lu Viper. J'avais lu Virer. Et j'étais en mode... Ça se fait pas la direct comme ça. Non, Viper. Tout va bien. Ok. Et là, je peux prendre Viper? NGL, I'm game. FYI, my story was a little different. Bob wasn't saving us. Oh, c'est trop bien. We met as equals. As equals. An aspiring mentor taken aback by a promising young rookie and her elite skillage. Elite skillage. Elle, c'est le hack, ça va être bien. Can your aggressiveness be a little less passive, you ancient llama? Well, why don't you simply tell us how you remember it, sweetheart? Yop, Diablo. Yop, yop, yop. Alors, 1994, 4 ans plus tard, à Staten Island, toujours à New York. On sera toujours à New York, je pense. Alors, il y a mon truc en bas, mais bon, c'est pas grave, je vous le lis, donc tout va bien. Usenet est plein de discussions très particulières. Par exemple, qui est le mystérieux nettoyeur de crime de Los Angeles? Il a fallu des semaines d'enquête rigoureuse à Irene pour comprendre qu'il se trouve ici, à New York, et qu'il se rend à la morgue de Staten Island. Elle décide de le devancer pour une chance de faire ses preuves. If all the info I've intercepted is correct, his target tonight is... This morgue. Easy. Imagine the look on his face if I actually pull this off. And if I don't, should get out of it with only a slap on the wrist. This is your casting call, girl. Your audition tape, your one-time chance to impress. Once a New York rave queen, now a master hacker. And soon, a legendary fixer. Oh, c'est appelé fixeur, là. Alors. Le monde est généralement divisé en deux zones. Lieu public, vous pouvez vous y promener librement tant que vous ne faites rien d'illégal. La scène de crime, vous serez poursuivi quoi que vous fassiez. Sauvez. Pirater la base de données locales pour identifier vos cibles. Ok. Donc là, je peux faire ma fête, là, tout va bien, tranquille. Tac. Je peux pas déplacer comme ça. Y a quelqu'un là-haut encore. Lumière pirate. Une clé pour enfermer les gens. On va savoir sur un premier piratage. Appuyez sur E pour perturber les appareils électroniques connectés. Considérez symbole disquette comme une source de ressource de piratage. Dépensez les disquettes pour pirater les appareils. Regagnez les disquettes une fois le piratage terminé. J'ai 3 disquettes là-haut. Ok. Pourquoi il y a une photo comme ça là?
Donc là, je suis à l'endroit où j'ai pas le droit. Le conduit d'aération, mais c'est trop stylé. Let's go, let's go. Je trouve ça très classe. Hein. On va faire gaffe, il y a un cadavre. Donc là, il y a quelqu'un. Il y a un petit ordinateur en bas. Oh, et la clé carrée, elle est là. Attends, j'ai un doute. Est-ce que je peux aller là ou pas? Ça, c'est peut-être la sortie que je me suis débloquée là. Ouais, je peux pas. Grande, grande dépression. Ok, donc il faudra que je pique l'autre truc pour sortir par là. Ok. C'est un peu stressant. Oh, ça s'arrête quand on pirate. C'est déjà ça. Et notre objectif, la base de données. Oh, ça s'arrête pas totalement en fait. C'est jouable. Ah, il est allé remettre la lumière. Ok, c'est ça le délire. Mais du coup, il m'a pas vu me mettre dans la cachette. Et lui, j'aurais pu aller là, du coup. J'ai stressé, j'ai stressé. Mais en tout cas, j'ai la clé pour ouvrir l'autre porte. Bon, en même temps, j'ai pas besoin, je suis passée par l'autre côté. Oh putain, il y a quelqu'un. Il vient pas? Non, sort. Conduit là. Ah bah là on est bien, c'est notre objectif. C'est pas notre objectif? J'ai la serre circulaire pour ça. Ok, ok, on va juste en haut. On attend de voir. Il va retourner à sa planque, tranquille. En fait, c'est en face que je dois aller. Mais j'ai la serre circulaire. Ah ouais, j'ai pas trouvé le piratage très utile, l'histoire des lumières. Mais en vrai, si, parce qu'on voit le potentiel pour après, je pense. Et là, je suis en bas. Donc ça, c'est la même chose, ça n'a pas d'intérêt.
doit être ça le vrai truc à pirater alors. Ah, on y est. Nice. Oui. Ok. Donc finalement, elle doit quand même faire les choses. Ok. Il y a une preuve qui est sur le bureau de l'autre. Ah, oh, c'est... Après, je sais y aller, en vrai, il a sa ronde et tout, tranquille. Hein. Mais quand même. Ah, mais je peux l'enfermer aussi, hein, by the way. Si nécessaire. Mais il y a une preuve aussi là-bas. Franchement, pour l'instant, je vais la jouer juste jouer avec leur ronde et tout. C'est bien. Du coup, là, ça devient intéressant, effectivement, de pouvoir utiliser les lumières. Ouais, je vais juste attendre qu'ils sortent, en fait. Pourquoi s'embêter, hein? Bon, j'avoue que le coincé dans la pièce m'aurait bien plu. La technique de l'enfermement. Mais en vrai, pas très dérangeant. Oh, mais il y a lui qui sort aussi. Ah, j'ai rien dit. Je sais pas ce qu'il attend là. Ok, c'est bon. On va le refaire en deux temps. Hein. Tranquille. L'épreuve, il en reste une. Les corps, par contre, sont tous là-haut, c'est bien. Ce sera beaucoup plus efficace si on passe par là quand il sort. Ça passe. It's ok. Bah écoutez, hein, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Parfois, faut avoir du cran. Et puis en plus, le corps qui reste, il est là, donc j'ai juste à choper la preuve, en vrai. C'est plutôt chill, hein. Et ça, je l'ai déjà chopé, la clé de ça. Donc j'ai juste à aller prendre ça. Hop. Oh, je les ai brain. Si je peux passer avec la preuve... Je les ai brain sur 20, c'était parfait. C'est pas faire peur. C'est bien, et ça se joue d'une main en plus comme jeu. Encore plus cool. Je me rappelle qu'il sort d'ailleurs aussi sur console. Hein. By the way, tant qu'à faire. C'est pour toi ça, que ça joue d'humain, Diablo. Ah, là, le corps, vous voyez? Mouf. J'avais pas réfléchi, mais...
Je vais pas pouvoir l'amener comme ça, je suis obligée de l'amener par là. Ça va être plus dur. Je peux passer en bas à gauche, non? Ouais. Donc je vais aller en bas à gauche. Là, c'était chouette. J'irai au prochain batch, on va dire. La prochaine fois qu'il sort dehors, je rush la porte là-bas. Peut-être qu'accroupi ça passe là. Hein. Ouais. Voilà, je te souhaite bon courage du coup. Franchement, il y a moyen qu'accroupi ça passait même. De l'autre qui intéresse par la porte. Ah, t'as pas dormi depuis hier. Voilà. Bah parfait. Écoutez, une affaire rondement menée, hein. Une pointe. Listen, I'm impressed, but I just don't get why you do this. Oh, it's a long story. So, my name is Aaron Reed, but my friends call me Viper. Viper? Wow. Your friends must be regular freaking comedians. Nuh-uh. They're super cool hackers who steal sports cars and take a lot of drugs. Uh-huh. You're something of a jokester yourself. No? My corpse cleaning competences are considerable, Mr. Leaner. And I'm a big fan of the work you did in the 70s. What, man? Wow. Yeah, uh-huh. Well, I hear you. Let me think. So how did you? You teach me how to clean up IRL. I teach you how to clean up online. Deal? I'll be in touch. Meantime, get yourself some body bags and a good vacuum cleaner. A vacuum? You're refusing to take me seriously, aren't you, you old fart? C'est pas très gentil. On va faire une petite pause dès que ce sera au moment d'interagir. High score. I'll have you know that there's VIP Viper for a damn good reason, OFC. So, Ok, donc là je pense que c'est en fait ça va être l'histoire perso de chaque bonhomme hein, pour les introduire. Je pense que ce sera parfait du coup pour la vidéo découverte, donc on va faire encore les deux là. Et du coup on va voir Psycho, ça se trouve Psycho il peut se battre, on va voir ça. On fait ça juste après la pause, je m'absente 2 minutes. Tout à fait Seb, franchement il est cool hein. C'est une bonne surprise niveau intérêt du jeu, donc c'est très cool. Psycho du coup. How? Fine. But I'm not very good at telling. So I will be showing. Il avait une tronçonneuse où j'ai rêvé. 1991 dans le Minnesota. Oui, Al a perdu le contrôle. Mais ce sont les Serbes qui ont dégainé en premier. Il n'y avait pas le choix. C'était soit eux, soit nous. Don Rena comprendrait. Il laisserait cet écart passer. Si seulement les policiers de Moorhead n'avaient pas suivi. Et si seulement Polly pouvait la fermer, ne serait-ce qu'une seconde. God damn. God damn. God damn. Don will go apeshit. He knew I couldn't control myself. He said I couldn't control myself. Should have kept my mouth shut. Ignored the Serbians' insults. Ignored Polly's insults. God damn. God damn. Gotta clean up this mess somehow. Gotta get rid of the bodies. Wait. Yes.
get the chainsaw? Yes. Gotta get the good old trusty chainsaw. Yes. Alors lui, salut Miss Master Chief. Est-ce que du coup, dans celui-ci, on va pas avoir à se... Vous êtes prêts? Attendez. Il faut absolument que j'essaye. Pourquoi j'ai pris la manette? Trop drôle. J'ai instinctivement pris la manette. Bon, ça c'est que ça marche aussi du coup. Hein, voilà la manette. On peut pas le mettre dedans. Je suis déçue. Bah jouons à la manette un peu. Pourquoi pas? Ça va bien, écoute, Miss Master Chief. Comme ça, vous aurez eu la moitié à la manette, la moitié au clavier. Soyons fous. Je vais passer la spie dans la neige. Oui, regarde. Alors, qui est la touche pour la spie à la manette? Je cherche. Je ne sais pas. Ah, mais j'ai pas la spie, là. Ah, et pour courir? C'est ça, ok. C'est H. Mandez X pour faire remonter votre tronçonneuse, découper un corps en morceaux. Les corps démembrés se transforment en membres. Vous pouvez les lancer un peu partout sur les ennemis. Salut, salut. Soyons fous. Pas si violent sur les autres, hein. Je vous rassure. Du coup, je peux les mettre au broyeur. Je pense que oui. Fallait broyer par petits morceaux. Très bien. Le visuel est stylé. Alors pas quand on... Hein, me prenez pas pour... Mais quand on fait ça, regardez autour. Attendez, j'ai plus le membre là. Ah, il veut plus. C'est pas assez broyé ça? Non, ça lui plaît pas. Ah, le broyeur a pris cher. Je regarde ce qu'on a d'autre. Hein. Ça marche bien à la manette, hein. Ah, je vais le balancer dans le feu. Je suis prêt. Ah, mais il y a un autre broyeur aussi. Il faut que je tente de balancer dans le feu. Mince, ça va pas cramer. Mince, si c'est bon. Non? Terrible. Alors, on a un problème. C'est que je l'ai collé là et on peut plus le récupérer. J'ai réussi à casser le truc, quoi. On doit pouvoir recharger. Puis on fait ça. Hop. Ah ouais, non. Hop. Let's go, let's go. Salut Néo, ça va très bien. Et toi? Ce jeu est bien cool. Comme je disais juste avant ma pause, c'est une bonne surprise. Bon, je fais plus de bêtises, promis. Let's go.
vous avez vu, il n'y a pas le truc de quand on marche dans le sang, ça fait du... Ça fait des traces, comme dans Viscerafina. C'est quand même bien pratique, hein, les liquéfiés. En vrai. Bon, on s'en occupera après. En tout cas, du coup, les missions ont été bien différentes. Ça, c'est cool, hein, selon les persos. C'est Whoa, whoa, whoa! Easy there, Chief. My boss, your boss, Don Rayner, sent me to help you out. He sent you to what? To clean up. To hide the bodies. Get you out of this hot mess your sorry ass has gotten you into. Asshead! None of them ever helped me out. None of them would now! Son, the pigs are coming. You can continue your little tantrum and go to jail. Or you can try to trust me. I'll hide in your goddamn car, and I'll rip everything inside the struts. You set me up. Il est un peu colérique. Whatever you do to my Charlie Parker cassettes, I will do to management you. Problem. You've been warned. Jesus fucking Christ. Let's save this ungrateful SOB's ass. Hop, mais c'est marrant sur cette mission-là, y a pas de flic. Et t'es sûr que tu voulais dire cramp, mon Néo? Parce qu'une tendinite, ça se fait par une action répétée sur le tendon. Du coup, là, si ton chien a juste sauté sur ton tendon, t'as pas une tendinite. Ah! J'ai parlé trop vite! Alors, je sais pas si je vais être capable. Je vais peut-être repasser clavier souris, peut-être. Une fois que trois ennemis sont au courant de votre présence, toutes les personnes sur la carte deviennent armées et tempérament agressives. Le nombre d'ennemis à l'armée s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Ils sont où exactement? Ok, ils viennent là. Je me disais aussi, c'est bizarre. Putain. Oh, c'est assez large hein, sur les détections, tout ça par rapport à la map d'avant. Il y a vraiment beaucoup de sang enlevé, non? C'est là, pour l'instant. Ça va, hein? C'est assez... Là, ils ont rendu le truc beaucoup plus large. Par rapport aux missions d'avant, sur la détection des bonhommes, ça va. On est plutôt safe dans cette zone, donc c'est bien, je me suis occupée de l'extérieur qui me semble être le plus dur en fait. C'est bon pour le sang, en tout cas. Même si en vrai sur le sang on pourrait faire 100% clairement.
qui serait assez rigolo. Est-ce qu'il n'y a pas un succès de faire une mission avec 100% sur le sang? Non, le jeu est vraiment bien. Là, ça fait plus d'une heure qu'on y joue. Et vraiment top. Il va aller où, là, lui? Okay. Oh, j'ai été détecté. J'ai été détecté. C'est dommage. Ah, je l'avais fait sans me faire détecter, je suis un peu déçue. Ah, je voulais enlever tout le sang. Bon, c'est pas grave, ça reprend là, donc ça va en vrai. Qui bouge, hein. S'il bouge pas, là... Je pensais qu'on pouvait passer par la fenêtre, mais pas du tout. Let's go! On va tempo, hein. En vrai, si j'enlève ce corps, on a fini la mission. Après, mon histoire de 100% de sang, on sait qu'elle peut se faire là. C'est drôle, en vrai. Expected, huh? What's wrong? Can't catch your tongue. What's your angle? So you can talk at normal volume if you want to. What do you mean, my angle? Are you giving me up to the pigs? Or to Don Rena's execution squad? I think his entire execution squad is either stuck in my trunk or scattered around that cabin back there. As for the pigs, well, we also just left them behind. So I don't think either of those ideas works. Nah, I want to offer you a job. You can probably guess what it entails by now. It's a wild job, but you're a wild guy. Pays well, comes with accommodations, gets Don Rain off your back if I vouch for you. So what do you say? I'm not proud. I threatened your Charlie Parker cassettes.
And your car. And me? And you. Une bonne chose de faite. Oh, very a physical performance, Hal. Thank you. Please, fix that later. Ah, shit. I'm so... I mean, eat shit. Is that almost an apology? The madman's gotta be feeling really grateful. Well, I'm grateful for him. That being said... Du coup, il aura ce dernier bonhomme à faire. Your turn, Lottie. All right. But my account of how it all started ain't that interesting. Well, I don't know about that. You didn't choose a life of crime and so on. Fine. Listen up. This is the first and last time I'll tell this story. Alors... 1991, dans le Queens, Lottie ne laisse jamais ses amis tomber, peu importe leur avis. Surtout Hongman, surtout quand il sort seul. Surtout lorsqu'il est sur le point de faire quelque chose d'incroyablement stupide. Aussi stupide que de faire un vol à main armée à visage découvert en plein milieu du Queens. Quelle bonne idée. Buddy, my ass won't leave this place until it gets a pack of cigarettes. Uh-huh. I'm training to be an artist. This isn't what it looks like. You sure? Because it looks like your friend left you in the middle of a giant mess. I was just here to stop him. This is not me. I'm training to be an artist. You hear? Artists rarely choose their tools, kid. It's the tools that choose them. Today, you were chosen by a vacuum cleaner. My car's in the back. Get the bodies, dump them in the trunk, clean the blood. Save your ass. What? Let's go. Alors, appuie sur A pour franchir différents obstacles. Donc elle peut faire du parcours. Est-ce qu'elle a le... Elle a déjà ça. Ce serait bien qu'on nettoie avant. J'imagine que dès que je vais ouvrir... Voilà. C'était sûr. Et même ça, elle se déverrouille pas. On l'a dans l'os. Oh, il y a un flic juste là. Ah, ça, c'est un citoyen. Bon, on va aller par là. Lorsque des passants voient quelque chose de suspect, ils peuvent être pris de panique et aller prévenir la police. Arrêtez-les en les plaquant ou en leur lançant des objets. Il doit bien y avoir une porte là qui mène entre les deux. Il a juste sauté, ok. Ça va être chaud! Le problème, c'est qu'il y a du passant en plus. On va attendre. On va attendre quoi. Elle est douée pour traîner les corps. Ok, où est l'objectif? Où est-ce qu'on les vire? Tout là-bas, ok. C'est non.
Non, ça va bien se passer. Non, j'ai mal géré là. La clé pour la récupérer. Parce que le truc qui est bizarre, c'est que j'ai pas accès à cette réserve là qui est juste là. Ah, il me faut l'autre clé. Et l'autre clé? Je vois pas l'autre clé. Il va me falloir l'autre clé en tout cas, c'est certain. Si j'ai pas la clé, je peux rien faire. Porte à loquet, gna gna gna. Bon, faut juste la déverrouiller, mais je peux pas la déverrouiller. Ah moi non plus, je suis pas très fan des drames, Woman Ruina. Donc je puisse passer par là, mais non. Merci beaucoup, Levius. Peut-être je saute sur le mur. Je vois pas comment accéder à l'autre pièce, là, sachant que j'ai pas... la clé circulaire. Puisque la clé circulaire, elle est à l'intérieur. Alors, j'ai peut-être raté, il y a peut-être un étage. Bon bah c'est foireux hein. Oui j'ai raté, excusez-moi. Il faut vraiment qu'on trouve cette histoire de clé. Sinon ça va être problématique. Ah. Ça change rien, mais il y a une preuve sur le toit quand même. Tout de même, tout de même. On l'aurait raté si on n'avait pas fait ça. Mais pour l'instant, c'est la pire mission que j'ai faite parce que j'arrive pas à trouver où la clé. Oh, fallait passer par le toit. Nice. Ok. Vraiment, je peux même l'enfermer là, le gars, quoi. Attends, il est où, là? Bon, là, j'avais le temps de faire autrement, mais bon. Ah, quoique. Ok, ok. Ça va. Ah, je peux vraiment l'enfermer. Je l'ai enfermé. Ah merde, il y avait une preuve. Ah non, c'est bon, c'est le graffiti. Je l'ai enfermé. Alors comme ça, on est enfermé. J'attends que le passant se bouge. Bon, c'est bon, finalement, j'allais dire. C'est la celle où j'ai eu le plus de mal, mais là. Ça vient totalement de se décanter grâce à cette entrée sur le toit. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Et là, du coup, on est tranquille pour les tirer dehors à chaque fois.
tu y sens partout. Mais bon. Alors il me regarde. Et voilà. Faut regarder ailleurs, monsieur, s'il vous plaît. Ah, je vais pas pouvoir nettoyer le sang qui est à gauche, par contre. Il est où, là? Ah, il est là. Je ne suis que l'agent de nettoyage. Rien d'alarmant. Oh, carrément. On va leur voir notre 100% de nettoyage de sang. En vrai, il faudrait que je libère l'autre flic pour pouvoir faire la dernière zone. Ça se fait, hein. Sauf s'il est pile devant. Je crois qu'il est pile devant, par contre. J'ai tout bien nettoyé. Ah ouais, il reste pile devant, je crois. Après, si je fais vite, peut-être. Vraiment la tirer ici, hein. Ah, mais de toute façon, il n'y a plus le truc pour savoir combien de sang on a laissé. Je vous ai dit qu'on ferait un 100% de sang. Je compte bien le faire. Vous êtes prêts? Il est tombé. Là, j'ai plus qu'à passer par l'autre côté. Oh, il est armé là, il a pas aimé. Je voulais une mission à 100%. Ça change rien, je pense, mais... Si ! J'ai eu un succès ! J'ai eu un succès ! Merci, Lévius, pour ton sub. Je sais plus si je dis merci, je crois que je t'ai dit que bonjour. Je pense que merci. Nice! Jesus, Mary and Joseph. You have a gift for this line of work, girl. A very lucrative gift. What now? I'm gonna get rid of everything, and you're gonna lay low for a week or two. Then, you're gonna call me, my business card. And we'll make a lot of money doing the same thing. Listen, thanks, but... But what makes you think I'd ever want to repeat this? Are you out of your mind? Your dream is to become an artist in New York City, a big artist, and you'll do whatever it takes to achieve it? Yes, except for selling out.
Got rich parents, a big inheritance, a Japanese investor lover, art curator friends in high places? No, but... Keep the business card, just in case. I'll see you around. Let's go! Donc là, comme ça, on a vu tous les persos. Thanks for saving my ass. Let's move on. Glad to have you with us, kid. Always was. Cleaning time, I suppose. Number one son of the world coming through. Time to earn some honest coin for Mama. Et du coup, à chaque fois, on a une mission de lui dans les années 80-90. Puis l'émission dans le présent, on va dire. Enfin, il y a plusieurs temporalités, quoi. Hein? Je vraiment bien, on va stopper incessamment sous peu. Je trouve vraiment le jeu trop bien. Parce que je veux que ça reste une découverte. Et justement pas trop vous gâcher la découverte avant que le jeu sorte. J'avais prévu que ce soit une petite preview. Mais j'étais en train de réfléchir là pendant que ça faisait la cinématique, elle me dira. Où est-ce que je pourrais caler une autre session? Ça sera la semaine pro, je pense. Parce que là, on est bien full sur ce qui est prévu dans les jours qui viennent. Rien que ça, c'est marrant aussi. Genre, c'est vraiment des missions différentes à chaque fois. Bon, là, en l'occurrence, il fait le ménage, mais... Et le style visuel? Tellement bien, j'aurais dû mettre... Ah, ça aurait été trop stylé avec un effet sur la caméra façon VHS. Ce serait trop cool. En vrai, faut le choix parce que demain j'ai prévu 14h-17h. Sur Valorant. Mais bon, on pourrait peut-être caler ça quelque part. Hein. Cette matinale là, hein? C'est bien qu'on voit aussi où sont les tâches là quand on est comme ça. Il reste un peu. Oh, il y a un sac là. Vous avez vu, il y a une petite animation quand on a tout en fait. Là-bas. Qui là ?
Well, like I said before, as long as it's paid overtime, I'm happy to do it. Oh, I'll be right there. Just need a short break. No, I'll just call home and let them know. Sure. C'est les petits bouics. Now, Mom? Yeah, I'll be late. Something came up. There's some leftovers in the fridge in case you're hungry. Hey, could you please try and tape that Columbo episode? I was looking forward to watching it together. Yeah. Yeah, overtime. Should be paid this time. Hey, no, it's all good. Okay? You know it. Love you too. Bye. I need a smoke. Used to be taking care of the executive suite's messes. Now I'm throwing out low-level managers' trash. To go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Okay, but enough with the lowly beginnings. Let's do some bragging, kids. This decade was full of crazy jobs. Which one are you most proud of? Just let him brag. Fine, I'll start. It was a cold winter. The sun went down with... No. Ah, bah du coup... Bon, je vais lire, je sais pas si on peut... Je pense que ce serait bien que je m'arrête là, c'est parfait. Normalement, ça aura pas sauvegardé. Et c'est donc l'un des hommes de main de Don Reyna a perdu le contrôle et a massacré plusieurs messagers serbes, réduisant à néant les efforts que Battaglia a réalisés dans le Minnesota. Comme cela ne suffisait pas, le fils unique de l'ancien patron a aussi été tué. Peu importe s'il le méritait ou pas, le premier malencontreux événement aurait pu être pardonné. Quant au second, terrible. Du coup, on va s'arrêter ici pour la découverte de Serial Cleaners, comme je vous dis. C'est une très bonne surprise, ça me plaît beaucoup. Très content d'avoir pu du coup faire cette petite découverte en avance. Cette vidéo sortira le jour où il sort. Enfin, d'ailleurs, je sais pas à quelle heure exactement il sort. Je pense que ça peut être une info intéressante aussi, puisque... Tac. Je vais aller voir sur Steam, puisque moi là j'ai déjà le jeu. Voilà, bien hein. Franchement, je trouve ça varié, intéressant, marrant, beau... C'est réussi, quoi. Ah, ils ont pas mis d'horaire, en fait, pour l'instant, de quand il sort. Du coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, il sort le 22. On est le 21. La vidéo sortira le 22, la rediff. C'était nice. Et on va passer sur mon quel, hein, du coup, les gens.